Bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Sof Au fil de la ruche, sur Ravelry sous le pseudo Sophie Zen avec un S majuscule s'il vous plaît, sinon vous ne me trouverez pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricot essentiellement parce que ce week-end on n'est pas allé aux abeilles donc il n'y aura pas d'apiculture. J'ai des petites questions à vous répondre, des petites réponses à vos questions. Je commence ce vlog par ce que je porte, par la petite bougie déjà que j'ai allumée ici. Alors je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas de partenariat avec eux, ni ils m'ont pas demandé de parler de leur marque. Ni j'ai payé mes bougies. Mais en fait, je vous en parle parce que j'aime. Et je vous ai toujours dit que quand il y a des choses que j'aimais, je partage. Donc c'est le cas pour les bougies de chez Dolly & Jack. C'est une marque que j'ai connue grâce à Didier et Vincent. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous les garçons. Dolly & Jack, la première fois que j'ai commandé chez eux, c'était un cadeau de Isabelle. Pardon, je l'ai éternué avec une bougie dans les mains. Je suis désolée. Donc, je reprends. Ben voilà, maintenant, je ne sais plus ce que je disais. C'est Isabelle qui m'avait fait découvrir la marque en m'offrant un bon d'achat. Et j'avais acheté la bougie pluie d'automne, je crois. Oh, pas pluie d'automne. Soirée d'automne. Oh, un truc, mais ça sentait la pluie, les bois humides. C'était divin. J'en ai encore un petit peu dans le fond. J'y touche plus parce que je veux l'économiser. Et là, je me suis offert matin de printemps. Donc, on est sur une senteur très fleurie, un peu prenante. C'est assez fort. Je la fais marcher un petit quart d'heure, puis après, je l'éteins. Et toujours bien emballée. C'est vraiment une chouette marque. Ils sont très à l'écoute parce que j'en ai une qui ne marchait pas très bien. Donc, ils m'ont proposé d'en envoyer une autre. Mais bon, j'ai pas voulu parce que je trouve que le travail artisanal, ça a un coût et voilà, j'ai pas voulu. Bref, Dolly & Jack. Voilà, alors, je fais une pause pour me moucher et je reviens. Alors, ce que je porte ce matin, mon pull sigillé que vous connaissez si bien, ce pull en fabelle et brush d'alpaca silk avec les grosses bouloches dessus, là, j'adore. C'est un pull qui est parfait. Enfin, je le mets tout le temps là en ce moment. Je porte que ça. J'en ai d'autres, des pulls, mais c'est juste que les pulls à manches longues, non, j'ai trop chaud. Et là, c'est très bien. Et ce châle, c'est un châle que j'ai découvert il y a un an grâce à Didier au fil de russe, qui j'envoie à nouveau des gros bisous. C'est un châle dont il avait parlé dans un de ses podcasts tout au début. De Madrigal Yarns, je vous mets, de toute façon je vous mettrai le nom du châle ici avec le prix du patron et je crois que c'est un modèle en anglais, je sais pas s'il existait en français. Je me souviens que j'en avais commandé un autre de châle avec des petits motifs de dentelle, j'ai très envie de le faire. Donc je cherche le patron, je dois l'avoir dans ma pochette à patron. Bref, c'était un petit châle qui se commençait par un côté, puis on augmentait. Mais ce que j'aimais dans ce châle, c'est que c'était du jersey en droit. En fait, il y a une bande de points mousse tout le long du châle. C'est un châle triangulaire. Voilà. Et on augmente comme un triangle rectangle. Donc, on augmente d'un côté et on est en jersey en droit, là. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce patron. Parce que le jersey en droit, pour mettre en valeur des laines de teinturier, il n'y a rien de mieux. Et j'avais utilisé, je m'en rappelle, c'était des mini que Didier avait dans une box de printemps, sa première box l'année dernière. Et il y avait ces mini. J'ai aussi du Mon Petit Rêve. C'était un châle... Je le porte beaucoup en ce moment parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, la forme triangulaire est une forme qui me convient à porter. Assez long quand même, puisque là... Je le mets au bout de mon bras et il est un peu plus long que mon envergure, c'est-à-dire que moi, d'une aile à une autre, je dois faire 1m70, donc il reste ça. Ah, il fait bien 2m, 2m10. Et donc, ce châle, il se met comme un bavoir et il tient chaud, il est super coloré, on peut le mettre sur les couleurs qu'on souhaite. J'adore.
vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. Ce que j'ai fini, je vais vous bouger, parce que je l'ai accroché au trépied, parce que sinon j'oublie. Mes bubblegum socks de James blablabla, parce que je ne me souviens pas, que j'ai tricoté dans un kit à chaussettes de chez Ophidorus. Ouais, le kit fleur du Nil. Donc c'était un mini fluo et un écheveau d'un rose, mais somptueux, qui est de toute beauté. Donc les chaussettes ne sont pas bloquées, je les ai quand même mis sur les bloqueurs pour vous les présenter. C'est une régalade. On commence par les côtes. Le modèle est en anglais. Je vous mets la petite vignette pour vous montrer le prix du patron et où trouver le patron. Donc vous faites pause, vous notez ou vous allez voir le site. Parce que je mets pas tous les liens dans la barre, dans la zone de description de la vidéo, parce que c'est chronophage et je vous mets mon Ravelry, vous voyez les projets, et sur les projets, vous cliquez sur le nom du patron et vous cherchez un petit peu et vous trouverez. Je sais pas s'il est sur Ravelry, mais bon, on verra. Faut pas que je me coupe comme ça, parce qu'après, je sais plus ce que je dis. C'est un patron qui se commence par les côtes, mais après l'avoir fait une fois, je sais que j'aurais pu le commencer par la pointe. J'aurais juste eu le motif dans l'autre sens. Est-ce que ça aurait été grave s'il avait été dans ce sens-là? Pas du tout. Bah non, il n'aurait pas été dans ce sens-là. Non, non. Si je l'avais tricoté dans le rouleau. Est-ce que je me complique pas un peu la vie à essayer de réfléchir à l'envers? Alors, si je commence par la pointe, je fais mon Turkish cast on, tatata, je fais mon talon, tatata, je monte un peu, et là, je fais le point. Non, il serait dans ce sens-là. Est-ce que là, je l'ai tricoté dans ce sens-là? Je sais pas. Faudrait que je fasse un essai. J'ai du mal à penser à l'envers, en fait. Bon, bref, tout ça pour dire que les chaussettes, elles sont canon. Que ici, j'ai joué avec le fluo en rayure, histoire de... Parce que voilà, faut apporter sa petite touche. Talon boomerang, une belle erreur ici que vous voyez. J'ai fait un rang au point mousse, mais... Je m'en fous. Et talon boomerang que j'ai dans le patron de Christelle, démaillez-moi les Flora Socks. Mais que vous... Est-ce que Claude Tricot aurait fait une vidéo là-dessus? C'est fort probable. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne. Donc ça, c'était mon objet terminé de ce vlog. Et je suis ravie. Qui dit chaussette finie, dit chaussette qui commence. Je vois qu'il y en a qui suivent. Alors, chaussette qui commence tout petit, puisque j'ai une aiguille, donc j'ai commencé qu'une seule pointe hier soir, parce qu'en fait, je ne veux pas de temps mort entre deux paires de chaussettes. Donc, aussitôt, je monte une paire pour être sûre d'en avoir toujours une sur mes aiguilles. Et là, je la tricote avec un kit de laine autorayante de chez Sur la Rive Côté Laine, que j'ai acheté l'année dernière au Festival du Mouton Ivre. Et c'est trop beau. Le jaune, c'est un jaune doré, vraiment un jaune magnifique. Et on a des rayures couleur printemps, du bleu ciel, du rose, du vert anis. C'est juste parfait. J'ai fait une pointe. Et rien qu'une pointe, moi, je trouve ça juste trop beau. Je vous montre. Là, en essayant de ne pas me crever un œil avec mes aiguilles, quoique avec mes lunettes, je devrais être, a priori, je devrais être protégée. Mais bon, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Donc, voilà ma première pointe. J'ai mis un petit Progress Keeper qui m'a été offert par ma petite Sabrina, à qui j'envoie un gros bisou. Décidément, cette aiguille, elle m'a envoyé des petites fleurs et du coup, j'en sème sur tous mes encours et même sur les tricots des copines. Hein, Célia? Bisous d'ailleurs à toi aussi. Et à Stéphanie, bien sûr, et à toute l'équipe du tricoté de Cognac. Donc, j'en étais où, moi? J'en étais à... J'ai commencé la première pointe, et rien qu'une pointe comme ça, moi je suis ravie, parce qu'en fait, sur une pointe, sur une laine teinte main, bah on voit, alors je ne sais pas si vous le verrez, ça fait des petites nuances en fait. Même sur un seul mini, ouais, on le voit là. C'est ça que je trouve magnifique. Deuxième éternuement, désolé. On est en pleine période de pollen, et les allergies se sont bien manifestées. Donc, ce que je trouve magnifique, c'est le fait qu'il y ait ces nuances, même sur un mini, c'est du semi-solide. Donc, à chaque fois, on voit un petit trait plus clair ou plus foncé. Et moi, je suis, quand je vois ça, mais oh, je suis comme une dingue parce que je trouve ça magnifique. Donc, petite chaussette en cours, tranquillou, bilou,
Là, franchement, c'est pendant les salles d'attente ou les petits moments d'attente. Pas de prise de tête. Chaussettes, zéro cerveau, puisque c'est de l'auto-rayant. Ensuite, donc du coup, comme il me restait un tout petit chouïa de laine rose, je l'ai inclus dans ma Memory Blanquette. Parce qu'en fait, donc, je vais d'abord vous dire que j'ai pas beaucoup avancé sur mes couvertures et que depuis que j'ai lancé le mardi couverture, j'en fais très peu. Parce que je pense qu'en lançant le mardi couverture, je me suis lancé aussi une certaine petite pression, qui est très con, hein, je suis d'accord avec vous, c'est pas justifié, c'est débile, c'est tout ça. Je sais, mais c'est comme ça. Ça me donne un. Je sais pas, je me suis mis une pression. C'est comme ça. Donc, du coup, j'ai pas du tout avancé ma Nectar Blanquette depuis un petit moment. Bah, depuis que j'ai fait l'hexagone avec la laine que m'avait envoyée Karine. Et en fait, je tricote de temps en temps un petit carré sur ma Memory Blanquette. Parce que celle-là, elle est vraiment zéro cerveau. Je sais la tricoter sans compter. Donc, j'ai mis le reste de fleur du Nil de Au fil de Russe ici. Et il faut que je complète avec le fluo pour finir, puisque j'en avais pas assez pour faire un carré. Ma Memory Blanquette, en fait, elle est magnifique. Je mets vraiment les restes des laines qui me tiennent à cœur, que j'aime. Même s'il y a des laines dont j'ai pas forcément envie de parler, c'est des laines que j'ai aimées. Donc, je les mets dedans. Et je trouve que ça, voilà, c'est un petit projet zéro cerveau que je vais mener à bien. J'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de tricots qui sont pas trop réflexifs. J'ai besoin de choses qui se font un petit peu automatiquement, comme du jersey au kilomètre sur un pull ou quoi. Donc la Memory Blanquette en est le parfait exemple. Contrairement à la Nectar Blanquette, qui nécessite quand même un petit peu de concentration, puisque la Nectar Blanquette, c'est quand même des hexagones de dentelle. Qu'on tricote en rond, il y a un diagramme à suivre. Moi, je peux pas la faire sans le diagramme. Donc, faut que je suive le diagramme, que je note les rangs à chaque fois. C'est déjà un peu différent. Là, moi, en ce moment, il me faut absolument des choses un petit peu plus fluides, qui coulent. C'est pourquoi j'ai bien avancé. Oh, les transitions sont formidables. Mon pull Armaine de Marguenet. Donc la marinière Armaine est un pull qui se commence par des petites bandes d'épaule. On vient relever des mailles pour faire le demi, non, le dos. On vient relever les mailles pour faire les demi devant, on rejoint, etc. Je vous passe les détails de construction parce que bon, on va pas parler non plus construction de pull pendant 3 heures. Je voulais juste vous montrer mon avancée. Donc je m'étais fixé comme objectif pour la semaine donc dernière, c'était arriver au vlog avec les manches commencées. Objectif rempli. J'ai fait l'encolure de mon pull. Donc, j'ai choisi de faire l'encolure avant d'attaquer les manches. Parce que, en fait, quand on fait l'encolure avant, ça permet au pull de se mettre en place. Si j'avais essayé mon pull sans avoir fait l'encolure, il serait descendu un peu plus sur les épaules, juste en le plaçant comme ça. Donc, j'aurais tricoté mes manches. Elles auraient probablement été trop courtes. Et après, comme j'aurais fait l'encolure après, ça aurait un peu remonté un petit peu le tricot et les manches auraient été vraiment trop courtes. Donc là, j'ai choisi de faire l'encolure. J'ai un petit peu galéré. Est-ce que ce tricot est débutant compatible? Alors, je dirais débutant qui s'accroche quand même. Le démarrage est pas évident. Le démarrage est pas évident. Ça coule pas de source. Surtout pour les petites pattes, là, j'ai eu un petit peu des petites difficultés au début, mais c'était un manque de compréhension de ma part. Je dois être un peu débile, je pense. Et après, ça va tout seul. Bon, là, après, j'ai changé parce que je suis pas dans un test. Donc là, je peux faire ce que je veux. J'ai commencé par faire quelques diminutions au début, et puis après, j'ai arrêté les diminutions pour que ça devienne des manches zéro cerveau. Parce que compter une. Alors, c'est pareil. Là encore, mon cerveau doit être complètement. Je sais pas. Quand on vous dit. Faire une diminution tous les. Allez, je vais dire une connerie puisque je ne veux pas dévoiler le patron. Mais par exemple, si on vous dit faire une diminution tous les 4 ans, est-ce que c'est le rang numéro 4 qui a la diminution ou est-ce qu'on fait 4 ans et après la diminution? Voilà. Moi, quand on me dit, par exemple, faire une diminution tous les 4 rangs, je vais faire les rangs 1, 2, 3, 4 et au cinquième, je fais la diminution. Donc je parie que je me trompe parce que. En fait, en le disant, je me rends compte que je le fais au cinquième rang. Si je le fais au cinquième rang, ouais, je sais pas. Donc bon, vous me direz, mais je crois que je me trompe. Donc comme au début, ben, je me suis mis le doute. En fait,
J'ai dû faire 3 diminutions. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis mis le doute. Je me suis dit, mais je me trompe, en fait. Au lieu de le faire tous les un rang, je le fais tous les un rang. Donc, du coup, dans le doute, j'ai fait la même chose de l'autre côté pour être sûr d'équilibrer et de pas avoir une manche plus large que l'autre. Et puis après, je me suis dit, non, mais là, donc je me suis mis le doute, Et puis, oui, j'aurais pu poser la question aux copines, hein, c'est vrai, vous êtes là pour ça aussi, pour m'aider quand ça va pas. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais avoir l'air d'une andouille à poser des questions. Je sais pas. Donc, du coup, bah, j'ai dit, bah tant pis, je vais les faire toutes droites, je vais arrêter les diminutions, et puis je ferai des diminutions aux machins là, aux côtes. Donc là, j'avance sur le rythme des rayures. Je fais les deux manches en même temps, comme je vous ai déjà expliqué, avec le petit cake à chaussettes qui m'avait été tricoté par l'une d'entre vous. Je ne sais pas si c'est Isabelle ou Martine. Non, pas Martine. Non, Patricia. Non, je crois que c'est Isabelle. Je ne me souviens pas, mais en tout cas, je les utilise tout le temps parce que c'est vraiment ma technique à moi pour tricoter les manches. En fait, je coince ma petite chaussette à laine dans la manche avec une grosse pince à linge qui sert, que je vais essayer de pas casser parce que j'en ai qu'une comme ça et qu'elles sont trop bien. Et puis du coup, ça me permet de laisser pendouiller ça. Alors là, par contre, j'ai pas de... Je vais vous montrer. Je mets des petits trucs en silicone. Comme ça, je perds pas mon câble. Et puis ça me permet de tricoter une manche en toute sérénité pendant que l'autre attend. Et quand j'arrive à rattraper celle-là, hop, j'inverse. Voilà. Donc ma marinière Armen. Il y a encore du boulot, mais là pour l'instant je suis sur du zéro cerveau. Je fais du tout droit, donc c'est plutôt pas mal. Il me faut absolument du zéro cerveau. Et ça, c'est le truc parfait pour ça. C'est ma chaise. C'est mon café. Je vais vous parler d'un encours que j'ai arrêté. Il s'agit du châle Cocopelli ou Caramelli pour les intimes que j'arrête. J'ai commencé à le défaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, faut dire les choses quand elles vont. On n'est pas dans le monde des bisounours, contrairement au cal que nous allons faire. On est, faut dire, enfin moi personnellement, je pars du principe qu'il faut dire les choses. Et même si elles plaisent pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On en a fait l'amère expérience pendant les fêtes. Je vais enlever ça, j'ai trop chaud, je suis désolée, mais... Enfin, j'en ai fait la meilleure expérience pendant les fêtes. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai dépassé les 4000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie tous d'être là. Je profite de cette petite parenthèse pour vous remercier et de vous abonner encore. Ça me fait toujours plaisir. Mais j'estime et je pense qu'à partir de 4000 abonnés, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et on peut, à mon sens, dire quand il y a des choses qui vont pas. Et si ça vexe ou que ça dérange des personnes qui... Déjà, faut qu'elles se posent la question pourquoi ça les vexe et pourquoi ça les dérange. Et je pense que on est tous différents et on peut avoir une perception différente de certains patrons, de certaines laines, de certaines choses. Voilà. Et là, en l'occurrence, je vais vous dire que le châle Caramelli ne me plaît pas. C'est un châle qui se commence par un slip. Vous savez, le châle slip. Donc là, on est sur la trompe de l'éléphant. Enfin, oui, du slip de l'éléphant. Après, on a plusieurs sections de dentelle. Donc pour moi, déjà, cette dentelle, on dirait du point de vague. C'est fluide, mais à aucun moment dans le patron. Mais là encore, attention, c'est une appréciation personnelle. C'est moi qui ne veux pas être concentrée, j'en sais rien. Mais à aucun moment, peut-être sur une section parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis tombée juste. À chaque fois, j'avais une maille en trop ou pas assez de maille, enfin, ou j'ai décalé le truc, enfin, ça marchait pas. Bon. Mais c'est pas grave, j'ai persévéré, j'ai dit c'est pas grave, on s'en fout, on fait comme Stephen West, à la fin on rajoute une maille ou on fait un cas de tog et on s'en fout. Donc j'ai ma section de dentelle qui est magnifique, section de jersey, section de dentelle, deuxième section, troisième section, et là, à partir de là, on commençait à faire des. Elles sont où? Les diminutions, j'essaye de trouver où. Là, voilà. À partir de là, on commençait à faire des diminutions. Pour que ça parte en pointe. Et là. Voilà. Comme ça, ici, après, on réduisait cette partie-là. Et ça permettait de faire le châle. Sauf que moi, je me suis vite rendu compte que ce châle, il ne serait pas immense. Malgré la photo où il a l'air d'être énorme.
ne serait pas immense. J'étais coincée là. Je le voyais plus grand. Alors, oui, c'est vrai, c'est mignon, hein, je suis d'accord, mais je le voyais plus grand. Et puis, je sais pas, ça allait pas, je sais pas. Alors après, est-ce que je... Non, ça allait pas, les explications n'étaient pas géniales. J'avais pas le cerveau pour, probablement. Mon choix de laine n'était peut-être pas le bon, j'en sais rien. Pourtant, cette laine, c'est tout doux. Mais je sais pas, ça allait pas. Donc j'ai décidé de l'arrêter parce que j'y arrivais plus. J'ai failli l'arrêter en cours de route, j'ai persévéré. J'ai bien fait, j'ai aucun regret. Il y a des fois où ça marche, puis il y a des fois où ça marche pas. On peut pas... c'est pas à tous les coups on gagne. Des fois, il y a des échecs et il faut accepter d'avoir des échecs. C'est que du tricot, c'est pas très grave. Je vais rebobiner mon écheveau de tibétain. Je vais essayer de le remettre en écheveau et le rincer pour qu'il reprenne, qu'il reste pas dans les nouilles chinoises, là, qu'il reste pas tout frisé. Je vais essayer de le laver et de le réutiliser parce que j'ai bien d'autres idées avec de la single, hein, il n'y a pas de souci, où j'ai plein d'idées. Ça foisonne. Donc voilà, c'est un échec. Mais j'aurais essayé. Je préfère arrêter et être sûre de... Parce que je sais que je ne porterai pas s'il y a un truc qui coince. Il y avait trop d'erreurs pour moi, j'ai fait trop d'erreurs. Donc bon, voilà, j'y étais pas. Ensuite, en encours. Alors, en encours, il y en a un petit, là, un petit châle qui est tout mignon et qui m'apporte de la satisfaction. C'est le châle Nuit Estivale de Cindy. De Cindy, la tricopathe alsacienne ou l'atelier des tricopathes, que je tricote avec un écheveau de... Je l'ai dit, hein, c'est quoi? C'est tout doux. Cachemire, mérino, nylon, MCN, c'est ça. Coloris... filet de chez Au Fil de Russe Didier. C'est plus vert que bleu. C'est juste magnifique. Alors, c'est une laine qui est assez... je pense qu'elle va bien prendre sa place au blocage. C'est une laine qui serait, je pense, assez gonflante. Elle a l'air d'être plus épaisse que la MCS, que la Merino Cachemire. Elle fait très... Elle fait très... Un peu comme la 85-15, un peu. Comme la Merino Nylon 85-15. Elle est très dodue. Voilà, c'est ça, dodue. Ce châle, c'est pas tout à fait du zéro cerveau, mais on s'en rapproche. Oh, c'est beau. Donc, c'est un petit châle à un écheveau qui se commence par une pointe, qui est composé de petites sections de points mousse et de petits trous, alternés avec des petites sections de jersey en droit et de petits trous, et de points mousse, et de petits trous, et de mailles glissées, et de petits trous, et de points mousse, et de petits trous, que j'ai oublié ici les petits trous, mais c'est pas grave, jersey. Ce châle, il n'est pas zéro cerveau pour moi, le bulle d'étoile était plus zéro cerveau, c'est dire que voilà, mais il est très plaisant à tricoter. Donc, c'est un petit châle. Je vais essayer de le passer quand j'aurai démêlé tous ces fils. Donc, je redis, c'est un petit châle à un écheveau. Voilà. Elle est où la pointe? Elle est là. Elle est là. Voilà. C'est un petit châle à un écheveau. Ouais, c'est joli, hein? Oh, j'aime bien. Mais ben, en fait, j'adore. Un tout petit châle, mais tu vois, enfin tu vois, vous voyez, hein, c'est un petit châle qui va être, voilà, c'est parfait. Là j'enlève le câble, je rabats. Non, je finis. Il me reste encore ça, donc c'est plutôt pas mal parce que je vais avoir assez pour faire un nœud, ce qui est très bien. C'est vraiment, voilà, alors autant moi j'aime les grands châles immenses, autant j'aime aussi les petits, ce qu'on appelle un foulard. Et franchement, un petit foulard comme ça, c'est trop beau, j'adore. Ouais, j'adore. Donc, c'est un petit châle qui paye pas de mine, mais franchement, qui peut faire un petit cadeau sympa à tricoter vite fait. C'est un petit truc qui doit se tricoter vite fait. Moi, je le tricote en duo avec Céline Ficelle, à qui j'envoie un gros bisou. Je pense qu'elle aura fini avant moi, parce que j'ai pas trop le... Je suis un peu fatiguée, donc je tricote moins vite, et puis je... Voilà, mais... J'aimerais, en objectif de cette semaine, terminer ce petit châle pour le porter. Parce que là, franchement, rien que de l'avoir mis, ça m'a donné très envie de le porter. Donc ça, c'est mon objectif de cette semaine.
finir les manches du Hermen et finir mon petit châle, j'allais dire nuit étoilée, mais non, nuit estivale. Nuit estivale parce que c'est vraiment le petit truc qu'on met en été, quand le soir il fait un peu frisquet, voilà, c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les aiguilles? On a Nana Lacan qui n'a pas évolué, du tout, du tout, du tout, zéro. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je vous l'ai montré comme ça la semaine dernière et elle est comme ça cette semaine, j'ai pas touché. Parce que, entre temps, je suis allée voir Lucie, 3615 Kumquat. Je sais pas si tu vas regarder ce vlog, Lucie, mais en tout cas, je te fais des gros bisous. J'ai été voir Lucie et je lui ai tricoté Mimosa, le petit caneton. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo où je le présente, là maintenant. Lundi 18 mars. Je fais cette toute petite vidéo que je vous montrerai la semaine prochaine parce que j'ai tricoté un petit doudou pour Lucie, 3615 Kumquat, que je vais lui offrir mercredi, mais que quand vous verrez la vidéo, je lui aurai offert mercredi d'avant. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait parmi quelques doudous dans le livre et hors livre parce que je savais qu'au niveau timing, je serais un peu juste parce que j'ai commencé le doudou après avoir commencé Nana Lacan. Je vous dis pas. Donc, quand je lui ai montré mon petit mimosa, le mien, Lucie m'a dit « Oui, super, un petit mimosa, ce sera parfait. » Donc, le patron est issu du livre « Mouche et ses amis ». Ok, donc j'ai choisi d'utiliser la crème que Edelweiss que m'avait offert Stéphanie My Little My à Cognac. Merci encore Stéphanie pour les doudous, elle est géniale. Pour les chaussettes un peu moins, j'aime moins mes chaussettes avec cette laine, mais alors les doudous, oh, elle va nickel. Et j'ai utilisé de la Drops Alpaca Orange, Orange Mix probablement. Voilà, tout doux. Donc, voilà la petite mignonnerie. Je vous la montre. Attention, attention, c'est trop chou. Oh, c'est vrai, j'avoue, c'est trop mignon. Donc ça, c'est le petit mimosa qui va rejoindre le petit baby de Lucie, 3615 Kumquat. Et je suis trop contente. Il est trop chou. Donc, c'est un doudou qui se commence par le bec, qu'on vient commencer en... Turkish Caston, comme des chaussettes, qui commencent par la pointe. Le bec, il n'est pas rembourré, il est tout plat. Après, on vient faire tout un tas de rangs raccourcis, les ailes, hop, hop. J'ai choisi de broder les yeux, parce que c'est un bébé. Alors attention, on est d'accord, il y a du poil, puisque c'est de l'alpaga, donc ça se voit, il y a des petits poils. Donc, de toute façon, Lucie, elle est pas... Voilà, elle va faire attention et c'est vraiment juste pour la faute. Mais bon, c'est mignon, c'est trop chou. Voilà, donc mimosa premier, mimosa deuxième. Ça me donne envie de faire toute une ribambelle de petits mimosas, tellement c'est facile à tricoter. Et tellement, mais tellement chou. J'adore. Et oui, on se refait pas. Les doudous, c'est la vie et c'est surtout trop mignon. Voilà, petit mimosa va rejoindre petit bébé. À bientôt. Ah, donc vous avez vu Mimosa, enfin je ne sais pas s'il s'appelle Mimosa, mais en tout cas sur le patron c'est Dodo et Mimosa, le petit caneton. J'espère que Lucie, ça t'a plu. En tout cas, je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Ça m'a fait très très plaisir de rencontrer ton adorable petit bébé qui est tellement mignon avec ses beaux yeux d'une couleur qu'on espère qu'il restera de la couleur qu'elle est. T'as compris? Ça m'a fait plaisir aussi de rencontrer ton mari. Je vous fais des gros bisous à tous les trois. J'ai profité de cette visite chez Lucie à Bordeaux pour rencontrer Emma de Tricolibri. Je vous passe les petites photos ici. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré? C'est pour ça que je fais des podcasts. C'est pour pouvoir vous rencontrer en vrai. Et c'est juste trop bien. Emma en a profité pour essayer mon châle, le Striped Tessian. Et ça lui va trop bien, mais elle... pas la couleur, c'est trop, mais ça te va vachement bien. J'étais super contente de vous voir toutes les deux. Ça m'a fait un bien fou ce jour-là. Et je vous fais
d'immenses bisous et je vous dis à bientôt, on remet ça très vite. Alors, ensuite, au niveau des encours. Donc, du coup, oui, Nana Lacane, bon, je vais l'avancer un petit peu cette semaine, tranquillou, quand je pourrai. Au niveau des encours, j'ai le... Alors, là-dedans, c'est le test pour Palaluna. Le test a repris du service parce que j'ai vu la version finie de celui de Julie, de ma petite Julie, à qui j'envoie un gros bisou. Ça me fatigue, tous ces bisous. Et Julie a fini son châle. Et quand Julie a fini son châle... Fabienne a ressorti du coup la version rectifiée de son patron. Donc je me suis dit, il est temps que je le reprenne avec ces trois laines. Donc on a la... c'est quoi ça? Single, tôt le matin, coloris, forest. La bleue, c'est single, tôt le matin, coloris, canard. Et la jaune, c'est pas la Luna. Single aussi, mais qui n'a pas de nom. J'avais arrêté, en fait, j'avais arrêté le test parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que bah, soit mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres, soit j'étais pas assez concentrée. Je me trompais systématiquement. Donc, à un moment donné, quand on se trompe de trop, on dit, bon, bah, moi, je dis stop. Hein, je dis, c'est bon, je vais pas m'acharner non plus. C'est juste du tricot, hein, donc... Et puis, je me suis dit, bon, allez, j'ai vu la version de Julie, elle a un grand châle. Et moi, j'aime soit les petits foulards, soit les châles immenses. Et je me suis dit, celui-là, ça a l'air d'être une belle bête quand même. D'autant que moi, j'avais enlevé le câble parce que ça me saoulait. Je suis claire, hein, je dis les choses comme je les perçois et comme je les ressens. Donc, ça me saoulait, j'ai enlevé le câble, j'ai enlevé les aiguilles, le câble, et puis j'ai dit, je vais défaire. Et en enlevant le câble, il s'est étalé puisque... Forcément, sur un câble, il se ratatine un peu. Et quand j'ai enlevé le câble, la bande que j'avais tricotée était immense. Et j'ai dit, je vais peut-être... Donc, je l'avais mis en boule dans un coin. J'avais dit, on verra ça plus tard, je réfléchirai. Et en le reprenant, enfin, en voyant ensuite Julie et en regardant la bande que j'avais tricotée, je me suis dit, allez, on va quand même lui donner une chance. Je vais quand même persévérer, je vais le reprendre et je vais voir ce que ça donne. Donc, j'avais tricoté la bande, la bordure. Donc, on commence, c'est un châle qui se commence... Déjà, de base, c'est un châle qui se commence par le grand côté. Est-ce que c'est un châle débutant compatible? Non. Non. Non, non, non. Du tout. Non, non. Un débutant ne peut pas commencer par ce châle. C'est... Non. Niet. Parce que il y a un motif de dentelle. Dès qu'on... Déjà, il faut monter plus de 350 mailles au début. Donc déjà, il faut que ce soit un débutant qui sache, bon, en même temps, ça permet de maîtriser le montage des mailles, on est d'accord. Après, on embraye tout de suite sur un motif de dentelle avec des répétitions de dentelle. Donc déjà, de base, c'est assez... c'est facile, hein, je suis d'accord, la dentelle est jolie, elle est assez... J'ai réussi à la faire, donc elle est simple. Et après, on a une section avec un genre de point de gaudron que j'ai foiré, mais bon... donc, chaque motif se joue au dé. Donc, on a le choix entre deux motifs à chaque fois. Et la couleur, par moment, se joue au dé. Donc, on n'a jamais deux fois le même châle. Il y a des beaucoup, beaucoup de versions différentes. Celles qui sont douées en probabilité calculeront. Je vous laisse le soin de faire des calculs parce que moi... Ensuite, après cette section de points de gaudron, on a ces gros trous. Donc là, c'est là que ça a commencé à foirer. Parce que je comprenais pas rabattre, remonter, rabattre. J'y arrivais pas. Donc, j'ai recommencé plusieurs fois, mais... Ok, j'ai persévéré, j'ai réussi. Après, j'ai eu cette section de dentelle qui est bourrée d'erreurs parce que, ben parce qu'en fait, je savais pas combien de mailles on devait trouver à la fin. J'avais pas de visuel. On n'avait pas de visuel, ni de gris. Enfin, il n'y avait rien. Donc, bon, ben voilà, mais ça fait rien si on ne le sait pas. Et après, j'ai ce beau point alvéolé qui est magnifique. On est d'accord. C'est le chapitre 4. Alors, c'est difficile de vous montrer parce qu'en fait, un point alvéolé, c'est très texturé et l'écran, ben, il fait du... Voilà, là, vous le voyez peut-être. Ouais, là, vous voyez. Ça fait des alvéoles. C'est joli, hein. Et là, ben, c'est de nouveau la merdouille. Donc, on doit faire une section, enfin, une partie intermédiaire, une toute petite section intermédiaire avec des petits trous. Mais je tombe pas sur le bon nombre de mailles. J'ai 42 mailles en trop. Ouais. Donc, ça me désespère. Ça me désespère. Alors,
Oui, je sais, Julie, tu m'as dit, demande-moi si tu as un problème et je ne veux pas te déranger pendant ton boulot pour un châle en tricot. Hein. J'ai mis un mot sur le groupe, j'attends de voir, mais bon, voilà, ça me désespère parce qu'en fait, je suis motivée, je suis pleine de motivation, pleine d'entrain, pleine d'élan. Je me suis plantée plusieurs fois, j'ai défait, mais là, la section avec les trous, ça fait 4 fois que je la défais, j'ai 48 mailles en trop. Donc, pourtant, j'ai eu l'impression de suivre le patron, donc je sais pas. Je sais pas. Donc bon, c'est pas grave, je vais bidouiller, hein, puisque de toute façon, je vais pas recommencer une huitième fois. J'ai défait, je sais pas combien de fois, ce bout là, ce petit truc de rien du tout, là, bleu, là. Ce petit truc de rien, ça fait 10 fois que je recommence. Donc, je persévère, je donne sa chance au produit. Oui, je suis d'accord. Après, je vous assure que c'est pas débutant compatible. Moi, je dois pas réfléchir comme les autres, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Je dois avoir un truc qui doit pas fonctionner comme dans une logique. J'en sais rien. Donc bon, c'est pas grave, je me prends pas la tête. Je vais bidouiller, puis ce sera très bien. Donc ensuite, du coup, ben moi, je me suis monté un nouveau petit encours. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette petite machine-là? Eh ben, cette petite machine, elle m'a été largement influencée par ma petite Chantal, fraîchement talot, à qui j'envoie un gros bisou, et à qui je souhaite un bon rétablissement pour son épaule qui doit être encore, qui est encore très douloureuse, et son, ses lombaires, c'est pas ses lombaires, c'est, là, là, les cervicales. Donc, ma Chantal, je te souhaite un bon rétablissement et je te souhaite d'aller vite mieux. Et aussi le moral. Hein. Donc, Chantal a tricoté un col qui s'appelle le Summer. Alors, j'ai pas le nom parce que voilà, je ne me rappelle pas du tout. Donc, je vous l'écris là-haut avec le prix du patron sur Ravelry. Amy Loden? Non, pas Amy. Amy Loden? Non, Lodven. Non? Je me souviens pas, je l'ai pas là le patron. C'est un col. Alors c'est chouette, c'est pas mal. C'est un col pointu en fait. Ça fait comme un châle, un peu comme un châle pointu. Donc là, ici, ceci est un châle pointu. Donc on le place et on a les deux pans du châle qui tombent sur les côtés. Donc ok. Le col, c'est comme un châle pointu. Sauf qu'il est joint en rond derrière et on l'enfile. Chantal a fait une version avec des couleurs d'une douceur, c'est magnifique. J'aime beaucoup sa version. Mais évidemment, je n'ai pas fait la même parce que moi, déjà, je m'inspire de ce que j'ai. Et puis, voilà. Donc, j'ai tricoté avec mes restes. Et j'utilise des minis et des restes dans des nuances de bleu. Donc, les laines, ce sont des restes et des minis dont je ne souhaite pas forcément parler, mais qui sont pas trop mal. Et j'ai commencé avec ce beau bleu marine. J'avais commencé en début d'année le châle Norlys de Palaluna, que j'ai foiré, enfin, je sais pas foiré, mais bon, que j'ai arrêté. Et du coup, j'ai récupéré la laine, parce que je trouvais ce bleu marine, mais très profond, très beau, très très beau. Donc, ça me permet de le mettre ici. J'enchaîne sur une laine qui est. C'est bleu grisé, c'est bleu. C'est vraiment très beau aussi. C'est des petites côtes broken ribs, des côtes cassées. Donc c'est très joli. Je trouve ça très très beau. Paris to break, broke, broken. Ça veut dire cassé, non? Enfin, bon, c'est mes souvenirs. Bah oui, ça veut dire cassé. Oui. Brisé, non? Enfin bon. Voilà, et ce petit col là, c'est sympa comme tout parce que justement, bah, j'ai très envie d'aller voir la couleur suivante. Je vous mets la photo du patron, c'est trop beau. Et la designeuse, dont j'ai oublié le nom, mais qui doit être Amy Loden ou un truc comme ça, elle a fait un autre petit col avec du jacquard, des petits cœurs, c'est juste trop mignon. Je me demande. Alors oui, tiens, j'ai en profité justement pour refaire une petite mise à jour, mise au point, je sais pas comment on dit. Arrêtez de croire que je suis une folle du jacquard. Hein. Alors, on m'a offert un patron. On m'offre des patrons. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est sympa de recevoir des patrons parce que moi, ça me permet de tester des trucs que j'ai jamais fait. Mais je sais pas. Vous avez cru que j'étais la reine du jacquard, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis une merde en jacquard. Ah oui, je suis une merde. Ah oui. Je tricote très peu de jacquard parce que j'ai une tension de malade. Donc le truc est dégueulasse. Il faut justement que j'apprenne le jacquard
Mais je peux pas apprendre le jacquard avec les patrons que vous m'envoyez. Ils sont trop techniques et trop. J'ai déjà pas réussi à faire le Alpine Bloom. Vous vous rendez compte? Donc, alors, est-ce que je me challenge sur le jacquard cette année? À voir, parce que pff, le jacquard, ça double quand même le fil, l'épaisseur. Donc, ça donne des pièces assez chaudes. Mais le col que vous voyez là, que je vous mets en photo de la même designeuse avec ce jacquard, je vais sûrement le faire. Il sera double, donc il tiendra un peu plus chaud pour l'automne. Soit avec des couleurs d'automne, soit avec des couleurs plutôt peps, un peu comme ce que j'ai ici. Ça, c'est du Karine, la Miss Knitter, ce fluo. Oui, mademoiselle tend de la laine. Et ça, c'est du Isabelle, à qui j'envoie un gros bisou aussi, parce que je me souviens très bien. Donc voilà, je vais peut-être faire ce petit col en jacquard, histoire de me challenger, ou en tout cas de me familiariser avec le jacquard, parce que je suis vraiment pas douée en jacquard. Manque d'expérience, la tension est pourrie, le pull que font Christelle et Julie, le Laurien sweater, est juste splendide. Mais pour moi, c'est inaccessible. Pour moi, c'est encore trop loin. Je suis pas une. Je pense pas être une experte en tricot. Alors, je tricote des pièces qui ont l'air waouh, mais en fait, c'est juste parce que j'assemble les couleurs. Hein. Parce qu'en vrai, je fais pas des trucs. Les Wests, peut-être, mais les Wests, en fait, ils sont tellement détaillés. Tout est tellement détaillé que c'est. Il n'y a pas de réflexion. On suit le patron, on suit ligne après ligne. Donc, il n'y a pas de. D'initiative ou de réflexion à avoir s'il dit cas de toc, ben on fait cas de toc, point. Il n'y a pas de ah, j'ai une maille en trop, il n'y a pas de maille en trop, puisqu'on suit le patron. Donc c'est pour ça, le jacquard, moi je suis pas la reine du jacquard, donc oui, je peux essayer de me challenger. Si j'avais fait un col en jacquard l'année dernière, le col avec les abeilles et les alvéoles, je ne l'ai pas porté cette année parce que trop chaud. Col en déca en jacquard. Doublé de la déca, je suis sûre que oui, j'aurais pu aller en Laponie avec Christelle, j'aurais eu bien chaud. Mais en fait, je ne vais pas en Laponie. Et ici, nous, on est vraiment dans l'ouest. Climat plutôt atlantique, donc on n'a pas très froid en fait. On a plutôt un climat doux et humide. Et tempétueux, beaucoup de vent. Donc voilà, c'est. Je suis pas sûre que ce soit que le jacquard soit vraiment mon délire. Je suis peut-être plus rayure que jacquard, à vrai dire. Mais bon, du coup, je vais peut-être quand même essayer de me challenger sur ce col. On verra, selon mon envie du moment. Alors ensuite, ben, on en cours, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que ça doit faire bien 35 minutes que je vous parle. Ou 30, 35 minutes que je vous parle. En caston imminent. En fait, je vais terminer le petit châle de Cindy, là, le nuit estivale. Quand j'aurai terminé le nuit estivale, je castonne. Je castonne le Faded Undulation Shawl de Steven West. J'avais prévu de le tricoter avec des restes de verre. Mais j'ai changé d'avis. Ben oui, parce que serait une Sophie qui garderait le même avis du début à la fin d'un vlog? Mais non, pas question. Donc, je ne le tricote plus avec des restes de verre. J'ai je sais pas, en ce moment, une envie de rose. Donc, je vais le tricoter dans 5 nuances de rose. Comment ça, 5 nuances de rose? T'as déjà tricoté ton smock it en rose? Oui, mais mon smock it, c'était déjà pas du tout le même modèle. Et ensuite, c'était que des restes, des petites boulettes, des micro-boulettes. J'ai tout passé mes restes. Là, j'utilise des échevaux tout neufs. Et quels échevaux? Non, ce n'est pas. Si j'en ai un de Didier quand même. Parce qu'un châle sans un écheveau de Didier n'est pas un châle. D'ailleurs, c'est vrai quand j'y pense. Tous mes châles, ils ont au minimum un écheveau de Didier. C'est trop bien. Alors, je suis allée vendredi soir au Tricoté à Cognac. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous les filles. Parce que c'était sympa comme tout. Ça m'a bien changé les idées et j'avais besoin de me changer les idées. J'ai acheté un petit peu de laine. Celles qui savent, savent. Ben, c'est Célia et Stéphanie qui savent. Parce que j'avais besoin de me faire plaisir. Et puis, d'acheter de la laine en direct, ça permet de toucher, de voir les couleurs. Et puis, j'ai pas besoin de me chercher d'excuses pour m'acheter un petit peu de laine. Donc, je vais vous parler du kit que je me suis composé pour le Faded Undulation.
Je commence par un écheveau de tôt le matin en colo, en qualité single, single socks, 100% mérino superwash, 100 grammes, 366 mètres, beaucoup plus foncé. Est-ce que si je fonce un peu le truc là, j'essaye. Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, bon, reviens normal. Voilà. Donc, c'est une base qui est très rose. Rose pâle. En fait, ça fait un peu... Oui, c'est rose pâle. Et elle est parsemée de plein de petits speckles fluo. Un peu plus rose. Là, c'est fluo. Un peu plus rose. Voilà. Elle est toute parsemée de speckles. Et c'est... Il y a même des speckles un petit peu ocre. C'est juste magnifique. C'est tout doux, tout, tout, tout. Cette année, pour moi, c'est la single. C'est ma découverte de l'année 2024. Je tricote beaucoup de singles. Et qu'est-ce que c'est chouette. Les châles en single, c'est... non, mais c'est vraiment... comment vous dire. C'est doux, c'est confortable, c'est tout... Pou, 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 je sais pas comment on dit. Deuxième écheveau que je mets à la suite de ça, c'est un écheveau de Nathalie, les laines de demain, d'un kit que j'avais acheté en début d'année, en fin d'année. C'est un rose, c'est une Stellina, on le voit, ça brille. Et c'est un rose nuancé avec des petits speckles, c'est pas des speckles. Ouais, si, c'est des speckles, un petit peu marron. Et en parlant de marron, j'utilise aussitôt l'écheveau de Didier, Guise Soc Bambou. 60% laine, 25% bambou naturel, 15% de nylon, qui m'avait été offert par ma petite Céline, à qui j'envoie un gros bisou. C'est les chevaux que tu m'as offert en début novembre, quand vous êtes descendu à Bordeaux. Et il va aller parfaitement à la suite. Ensuite, j'utilise à nouveau un écheveau de tôt le matin. Oui, on est dans le rose. Coloris amour. Ouais, parce que le premier, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est coloris sugar. Sugar. Sucre. Coloris amour. Alors là, on est... c'est du rose. Ouais, c'est plus rose que ça. Avec plein de speckles, des nuances. Et en single. Oh, c'est tout doux. D'ailleurs, le mérino bambou, là, c'est tout doux aussi. Et je termine par une single de Palaluna. Que j'avais bobiné pour tricoter. Ah si, je pensais la mettre dans mon, dans celui-là, dans mon West, dans mon glittering. Puis en fin de compte, j'ai changé, j'ai mis une autre laine. C'était pour la bordure. J'ai utilisé une laine de Manos del Uruguay, mais au début, je voulais mettre celle-là. Mais je la trouvais un peu plus terne pour aller avec ça. Voilà, ça faisait plus grisé. Mais là, elle va aller parfaitement avec la, à la suite de ça. Alors vous allez me dire, c'est drôle parce que ça ressemble vachement à ton glittering, mais pas du tout, parce que le châle n'a pas du tout la même forme et ça va se fondre, les couleurs vont se fondre les unes dans les autres puisque c'est un fade. Et puis quand bien même ça ressemblerait aux mêmes couleurs, je m'en fous puisque de toute façon, c'est le mien et puis c'est j'ai envie de rose, j'ai besoin de rose en fait. Voilà, rose power, c'est juste, c'est trop, en fait c'est trop beau. Il y en a qui n'aiment pas le rose, hein, je comprends, ça fait peut-être un peu fifi, ça fait Barbie, je sais pas. Moi, j'assume parfaitement Fifi Barbie. Ouais. C'est trop beau, j'adore. Donc, je vais bobiner. Alors, je vais pas tout bobiner le même jour. Parce que c'est mine de rien, ça fait mal. Hein, parce que moi, j'ai toujours ma tendinite ici, de mon épicondylite qui a déjà été opérée. Hein, mais si je fais un mouvement répétitif trop longtemps, ici, sur mon... Ici, c'est juste... la merde. Donc je vais bobiner celui-là, je vais commencer le châle, et puis dans 3-4 jours je bobinerai l'autre, etc., etc. Je vais le tricoter en aiguille 3,75 et j'ai hâte. Je vais tricoter ce châle avec Clément, à qui j'envoie un gros bisou. Bravo Clément pour ton podcast, ton premier podcast, ça y est, tu t'es jeté dans le monde des youtubeurs. Et en vrai, pourquoi t'as attendu si longtemps? Je suis trop contente d'avoir réussi à te, avec d'autres tricopines, à te pousser à le faire parce que franchement, ça donne des regards nouveaux sur le tricot. Un homme qui tricote, c'est juste autre chose. T'as des choix de couleurs qui sont différents et c'est ça qui va faire que ça va marcher. Donc je te souhaite un grand succès pour ta chaîne
Et j'espère que tu vas bien continuer ton petit bonhomme de chemin, parce que là, franchement, j'ai déjà hâte de voir le suivant. D'ailleurs, j'attends, hein, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais dépêche-toi de nous faire un deuxième épisode. Donc ça, c'est mes castonnes. Et puis, quand j'aurai fini le... Parce que là, je vous ai dit, quand je finis le petit châle de Cindy, j'attaque le West. Par contre, quand je finis le col que je suis en train de faire, j'attaque. Donc, ça sera sûrement la semaine prochaine. J'aurais peut-être pas fini le col la semaine prochaine. Dès que j'ai fini le col, j'attaque le Supernova. Donc, mais je vous en reparle. Parce que vous avez été quelques-unes à me montrer vos combos pour le Supernova. D'ailleurs, il y a des combos, Stéphanie, ouf, trop beau. Donc, j'ai hâte de le monter, mais il faut que je libère un petit peu de place sur mes aiguilles parce que j'ai pas mal d'encours. Et je veux pas que ce soit une contrainte. Il faut savoir que plus j'ai la contrainte, moins je tricote l'objet en question. C'est pas par défi ou par fierté, hein, c'est par, je sais pas, je dois coincer quelque part. Si je me sens obligée de faire un cal, si je me sens obligée de tricoter un truc, j'y arrive pas. Ça marche pas, je me trompe, ça me saoule, ça m'énerve, j'y arrive pas. Donc, j'y vais à mon rythme à moi. Et puis, celles qui ont envie de tricoter avec moi en parallèle, il n'y a aucun souci. Au contraire, ça me fait plaisir. Le mardi couverture, moi, depuis que je l'ai dit, je fais plus du tout de couverture le mardi. Celles qui veulent continuer à le faire, faites-le, n'hésitez pas. Parce que moi, je vois vos progressions, vos avancées, et ça me donne toujours envie aussi. Même si je le fais pas, parce que le mardi, c'est le jour où je fais le montage de mon vlog. Je le mets en ligne, c'est très long. Du coup, bah non, je tricote pas les couvertures, j'ai pas le temps. Le montage, je tricote du zéro cerveau, donc des manches, du corps de pull ou des chaussettes. Donc le mardi, généralement, c'est un truc zéro cerveau. Le mercredi, c'est le repos. Parce que mine de rien, vous le savez peut-être pas, mais quand je tourne un podcast, une vidéo, un vlog, ce que vous voulez, ça me vide de mon énergie. Le temps de tourner, de tout donner, de vous montrer, de me concentrer, après de faire le montage qui prend beaucoup de temps, parce que je vous mets des images, je vous mets des légendes, des machins, des transitions, tout un tas de trucs, je coupe les... parce que, alors les E, mais vous imaginez pas le nombre de fois où je peux dire voilà, où je me racle la gorge, où ma chaise elle fait voilà, oh pardon, c'est ma chaise, bon, ça j'enlève parce que à force je vais vous saouler avec ma chaise, enfin bon. Donc le montage prend un temps mais phénoménal et une énergie de ouf. Donc le mercredi, ben, je suis lessivée, comme si il y avait un train qui m'était passé dessus. Donc, du coup, le mercredi, je comate. Et là, je prends un projet zéro cerveau. Donc, généralement, c'est encore du tout droit. C'est pour ça que j'avance vite les manches, les chaussettes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un zéro cerveau toujours sur mes aiguilles. Je me demande si je vais pas faire un autre... Le châle de Madrigal Yarns, là, que je vous ai montré tout à l'heure, il y en a un autre qui est sorti avec des petits trous de dentelle. Et je l'ai, ce patron. Je sais que je l'ai. Je l'ai imprimé. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, quand j'ai rangé mes patrons. Je me demande si je ne vais pas le mettre sur mes aiguilles, un de ces quatre, quand j'aurai fini toutes ces grosses pièces, parce que c'est du presque zéro cerveau. Donc il faut, pour moi en tout cas, pour mon équilibre, il me faut des zéro cerveau. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait un moment que je parle et que du coup j'ai 49 minutes de podcast à monter. Ça va me prendre tout mon lundi. Il doit être à peu près 10h30, ça va me prendre toute ma journée. Je reviendrai vous voir demain matin avec les réponse à vos questions et ou alors cet après-midi si le montage s'est plutôt bien passé. Je vous fais à tous des gros gros bisous et je vous dis à plus tard.
Bonjour à tous, nous sommes mardi quelque chose, on est encore en mars, le dernier mardi du mois de mars je pense, je sais pas, il me semble. Oui parce qu'on va changer d'heure le week-end prochain, ça va être la fête ça aussi. Donc je viens répondre à vos questions, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Mais d'abord j'ai un truc à vous dire parce que j'ai oublié de vous en parler. Le gnome mystère de Sarah Shira va bientôt arriver. Donc, il est encore temps d'acheter le patron avec la promo, si ça vous intéresse. Moi, je le fais généralement tout de suite. J'achète tout de suite le patron pour bénéficier de la promo. Parce que bon, même si c'est pas beaucoup, bah, ça compte. Voilà. Le gnome mystère, il commence le 18 avril. On aura un indice le 18, le 20, le 23, le 26 et le 29 avril. C'est un gnome mystère qui nécessite 3 minis. Bref, 3 minis pour faire le gnome mystère, si ça vous intéresse. Moi, je le fais tous les ans. Je le fais en double parce que j'en offre un à ma maman cette année. D'habitude, je ne lui offre pas systématiquement le deuxième, quoique ça fait 6 l'année dernière, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, j'essaierai de pas vous dévoiler les indices. Je ferai peut-être une vidéo parallèle où je détaillerai chaque étape, en fait. Pour éviter de vous spoiler, c'est pour celles qui veulent le faire avec moi. Ou sans moi, enfin, celles qui veulent le faire. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Est-ce que tu veux parler des abeilles dans les écoles pour sensibiliser les enfants? Cette question m'est posée trop souvent parce que je réponds non à chaque fois. Parce que ça ne m'intéresse pas de parler à des enfants des abeilles. Ils regardent mes vidéos souvent. D'ailleurs, je vous fais coucou les petits. C'est bizarre ce que je dis. Mais voilà, je non, ça, aller dans les écoles, c'est pas vraiment mon délire. J'ai pas été très passionnée quand j'étais à l'école. Donc l'idée d'y retourner, même pour être moi-même, non, du tout. Non, ça m'intéresse pas. En ce moment, Virginie me dit, en ce moment sur ma terrasse, j'ai un imbri à insectes et j'ai plein d'abeilles qui viennent. Je pense que ce sont des abeilles sauvages. Est-ce une race différente des abeilles en ruche ou des abeilles rejetées? Alors déjà... Oui, il y a plusieurs races, entre guillemets, d'abeilles. Les abeilles qui sont dans les ruches, ce sont des Apis mellifera. Elles produisent du miel, donc on les met en ruche. Enfin, c'est pas parce qu'elles produisent du miel qu'on les met en ruche, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les abeilles qui sont dans les hôtels à insectes, ce sont des abeilles, pas des abeilles sauvages, ce sont des abeilles solitaires qui font pas de miel, qui vivent toutes seules. Comme leur nom l'indique. Il y a aussi l'abeille, mon mari me l'a dit hier, xylocope. Si c'est ça, je vous mets une photo. Ce gros truc noir qui bourdonne, nous, en ce moment, elles vont sur la glycine. Donc ces grosses abeilles noires vont butiner la glycine. Donc nous, on en a plein. Bon, j'ai pas pu les filmer parce que là, il pleut, donc elles sont toutes restées à l'abri. Et on a aussi l'été, la cirfe. C'est une toute petite abeille qui vole très vite, qui fait presque du surplace devant les petites fleurs pour butiner. Toutes petites, elles ont des petits mouvements assez rapides. C'est la cirfe. C'est encore une autre variété d'abeilles. Il y a plein d'abeilles différentes. Mais en tout cas, les abeilles qui sont dans les hôtels à insectes, ce sont des abeilles charpentières, solitaires, qui vont aller vivre dans les petits bambous qu'on met en horizontal. Marie-Christine m'a demandé, parce qu'en fait Marie-Christine, ça rebondit avec la question de quelqu'un d'autre, mais je reviendrai après du coup. Combien de kilos de miel récoltes-tu? Est-ce à peine suffisant pour ta consommation personnelle ou les proposes-tu à la vente? Alors ouais, on y reviendra de ça. Combien de kilos de miel je récolte? Ben, ça dépend de ce que vont me donner les abeilles. C'est pas une science exacte. Ça dépend de la ressource. Par exemple, là, il va y avoir l'acacia au mois d'avril. S'il pleut pendant la période de floraison de l'acacia, il y aura zéro miel d'acacia, donc pas de miel d'acacia. Si ça fait pareil sur le châtaignier, bah, il n'y aura pas de miel de châtaignier. Donc c'est hyper aléatoire. Je ne peux pas vous dire combien de kilos de miel je récolte par ruche, parce que il peut y avoir aussi des ruches très productives qui vont engranger un maximum, des colonies très populeuses, très travailleuses, elles vont aller chercher du nectar. Puis il y a des colonies qui vont moins vite, donc non, j'ai pas de chiffres à proprement parler à vous donner.
Est-ce à peine suffisant pour ta consommation ou les proposes-tu à la vente? Ça suffit pour notre consommation. Je me base sur un pot de 1 kg par mois. Ça, c'est la base. Nous, on peut, en tant qu'apiculteur, consommer un pot de 1 kg par mois. Sachant que il y a des mois où je dépasse. Oui, parce que bon, faut pas le dire, mais j'adore le miel. Donc il y a des mois où ça dépasse un peu, mais bon, on en a, donc ça va. Les proposes-tu à la vente? Je les proposerai à la vente, mais d'une façon complètement différente. D'ailleurs, ça va pas vous plaire, mais on en rediscutera plus tard. Je vais faire des événements. Je vais me déplacer à votre rencontre pour vendre mon miel. Alors pas partout dans la France, hein, je vais pas aller à Perpète, sauf si on veut bien m'héberger à l'autre bout de la France. Mais en tout cas, je vais vous proposer des événements. Donc ce sera des ventes ponctuelles, éphémères. Et c'est moi qui vais me déplacer parce que revivre le calvaire de l'année dernière, non, 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 vous m'aurez pas deux fois. Alors, question suivante. Alors là, c'est une question tricot. Oui, j'ai pas trié les questions, hein, vous ne m'en voudrez pas. Je débute, Céliane m'a demandé, je débute et je tâtonne un peu pour me faire un pull. Je ne comprends pas trop fingering, etc. Les laines rondes, tricoter en double. Je ne perds pas espoir, je suis à la base une couturière. Alors, fingering, c'est une laine qui... Oui, il y a toute une classification des laines. C'est une classification qui nous vient de l'Angleterre, mais c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, c'est des mots anglais. Je vais pas tout vous détailler là parce que je ne les connais pas tous. Je suis pas ni teinturière, ni designeuse, ni quoi que ce soit d'autre. Moi, je suis juste une simple tricoteuse du fond de ma campagne. La laine qu'on appelle lace, c'est une laine très 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 fine. Lace, ça veut dire dentelle. Et donc, c'est un fil qui doit mesurer entre 600 et 800 mètres pour 100 grammes. On se base toujours sur un écheveau de 100 grammes. La laine, elle a des épaisseurs différentes. Donc, la lace, 800 mètres, donc c'est un fil très fin. La fingering, c'est un fil qui est censé faire 400 mètres pour 100 grammes. Ce qui, c'est la même chose que de la laine à chaussettes. La DK. DK, ça veut dire double knitting. Ça veut dire double knitting. Pour celles qui ne parlent pas anglais. To knit, ça veut dire tricoter. On ne prononce pas le K. C'est comme to know qui veut dire savoir. On ne prononce pas le K. Je ne suis pas prof d'anglais, mais c'est que moi, j'ai quelques rudiments en anglais, quelques bases. Et le fait de tricoter en anglais, eh bien, me familiarise avec la langue et j'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Double knitting, ça veut dire c'est comme si vous preniez deux fils de fingering, donc de laine 400 mètres pour 100 grammes, et que vous les tricotiez ensemble. C'est un fil qui fait donc 200 mètres pour 100 grammes. Il y a la sport, donc la sport c'est entre la DK et la fingering. On n'est pas sur du 200 mètres pour 100 grammes ni du 400 mètres pour 100 grammes, on est sur du 300-350 mètres pour 100 grammes. C'est un peu plus épais que de la fingering, mais un peu plus fin que de la DK. Alors après, il y a les grosses laines. Mais moi, comme je les tricote pas, je peux pas trop vous en parler. La bulky, super bulky, aran, c'est des gros fils. Là, on est sur du 70 mètres pour 100 grammes. C'est des gros fils. Mais moi, je peux pas vous parler de ça parce que je les connais pas. Tricoter en rond, tricoter en double. Je peux pas non plus tout expliquer comme ça dans un petit podcast. Je pense qu'il faut aussi se documenter, chercher, regarder, fouiller beaucoup. Parce que bon, tu me dis, je tâtonne un peu pour me faire un pull. La seule chose que je peux te conseiller, c'est le 13KO de A Long Avec Anna, parce que c'est un modèle gratuit qui est très 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 basique. C'est vraiment le pull qu'on fait en tant que débutante. Il est en français, tu le trouves sur Ravelry facilement. Et je crois qu'il y a des podcasteuses qui font des tutos vidéo sur ce pull. Alors j'ai vu passer un tuto vidéo récent, mais moi avec ma mémoire de poisson rouge doublée d'un moineau, c'est impossible que je me rappelle. Donc tu cherches sur YouTube, pull 13KO tuto, je suis persuadée que tu tombes sur la podcasteuse qui est en train de faire un tuto détaillé. Et bon courage, et bon tricot surtout. Cocotte Jean m'a demandé combien de ruches as-tu? Est-ce que tu produis ton miel? Est-ce que tu en vends? Combien de ruches as-tu pour l'instant? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pour l'instant, j'ai 9 ruches. Je vais en avoir bientôt 10 de plus parce que nous allons chercher 10 essaims courant avril. Donc, ça fera 19. Est-ce que tu produis ton miel? Non, je ne produis pas mon miel. Ce sont mes abeilles qui produisent mon miel. Voilà. Ensuite,
Question suivante. Pourrais-tu me donner la référence de ton petit canard qui se trouve sur ta lampe à côté de tes mini? Alors, le petit canard, est-ce que vous le verrez là? Ouais, je vais essayer de vous approcher un peu parce qu'on va rien voir. Donc, c'est une petite oie que j'ai crochetée il y a quelques années, au temps où je pouvais encore crocheter, donc c'est-à-dire avant le confinement, donc avant le Covid, donc ça fait un bout de temps. Je crochetais beaucoup, 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 beaucoup trop d'ailleurs, mais bon, bref. Je n'ai pas le tuto, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, on m'a déjà posé la question, je ne me souviens pas. Mais alors moi, là, je ne peux pas me rappeler. Par contre, je me rappelle que c'est une oie, donc que je l'ai achetée sur Etsy, le patron. Donc, tu tapes dans la barre de recherche de Etsy, Goose, G-O-O-S-E, ça veut dire oie en anglais, si je ne me trompe pas, je vérifierai au montage, je vous le dirai en mettant une bulle. Tu tapes pattern Goose, et peut-être que tu peux trouver quelque chose qui se rapproche de ça. Et je pense que tu peux tomber là-dessus. Maintenant, je me souviens pas, je me souviens juste que c'est un tuto qui vient de Etsy, et... Je suis désolée, mais je peux pas me rappeler de choses que j'ai crochetées il y a plus de 4 ans. Déjà que je me rappelle pas de ce que j'ai fait hier après-midi ou hier matin. Mais bon, voilà. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Beaucoup d'admiration pour les images, les soins, l'observation de tes ruches. Au fil des saisons, tu es passionnante. Merci beaucoup. J'imagine que cela demande des heures de préparation, de patience avant d'obtenir de telles vidéos. Pas forcément. Je passe pas une heure derrière la ruche à attendre qu'il y ait un moment comme ça. En fait, il faut avoir un sens de l'observation très affûté, et que j'ai peut-être, enfin que j'ai sûrement d'ailleurs. Et en fait, quand je vais commencer à filmer une ruche, mon regard va être attiré par un truc qui est différent de d'habitude. Par exemple, l'abeille qui tirait le petit cadavre en dehors de la ruche, ou par exemple la trophallaxie, dont je vous ai assez parlé il n'y a pas très très longtemps. Ces trucs-là, je les vois en fait, parce que je prends le temps, je m'arrête. Donc j'ai le téléphone dans une main, oui je filme avec mon téléphone. Tu m'as demandé aussi, entre caméra et combinaison, le matériel doit être conséquent. Non, non, la combinaison, les gants, normal, on se protège des éventuelles piqûres. La caméra, c'est mon téléphone, c'est celui avec lequel je fais tous les podcasts, tous les vlogs, tout. Le montage se passe sur mon ordinateur, mais tout ce que je filme est là. Et en fait, j'ai ma caméra qui est enclenchée en mode vidéo, j'ai le zoom qui est prêt à être, qui est ouvert, enfin qui est prêt à filmer. J'observe, je regarde des choses et je filme à côté. Et c'est après, quand je fais le montage, que je vois, oh, j'ai filmé ça, regarde, j'ai filmé ça, voilà. Je vois mieux quand je suis après sur l'écran de l'ordinateur. Donc des fois, je filme à l'aveugle et c'est en rentrant que je découvre des trucs que j'ai filmé l'après-midi même. Ah oui, celle-là, je la garde pour la fin. C'est la meilleure. Il y a eu une petite question qui m'a... Alors ensuite, dernier commentaire, enfin dernière question. Ursula, qui m'a parlé un petit peu, Pocachou 220, je sais pas si on dit Pocachou, j'aime bien Pocachou. Je me demandais où tu en étais de ta réflexion sur le DP. Je trouve cela dommage de te priver d'un loisir que tu aimes pour des réflexions sur la pollution qu'il entraîne, même si je suis d'accord que ce n'est pas génial. Alors, je n'arrête pas le DP à cause des réflexions que j'ai eues concernant la pollution, j'arrête le DP, enfin en tout cas, je n'arrête pas, je n'en achète pas en plus, parce que j'ai conscience de la pollution qu'il occasionne. C'est pas parce que j'ai eu ces commentaires que je l'arrête, attention. Je tiens compte de vos commentaires, mais je ne suis pas un mouton, et quand bien même on me dirait « arrête de faire ça », je le ferai quand même. Tu connais mon caractère un petit peu tempétueux. Néanmoins, lequel de nos loisirs est vraiment safe ? Tu as raison. Les teintures des tricots, la confection des aiguilles, des câbles, ouais, qui viennent de Chine. D'ailleurs, toutes les Xiaogu sont on est encore sur du made in China, hein. Le tissu de nos sacs à projet, complètement d'accord. Le carton pour les puzzles, etc. Alors oui, nous devons tous faire attention, mais il convient aussi de savoir faire la part des choses. Entre tout, est-ce que les personnes qui t'ont interpellé pour le DP ont une vie sans reproche? Pas sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le DP est très polluant, mais effectivement le tricot aussi, si on regarde ça, l'eau que ça consomme, bien que, attention, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a des teinturières comme par exemple By Night,
qui teint avec des produits naturels. Alors attention, là encore, j'ai mes réserves sur les cochenilles. Parce que oui, on teint à la cochenille, mais à la base, ça reste quand même des insectes. Même si c'est des insectes qui nuisent aux plantes vertes ou tout ça, bon, bah, c'est des insectes qu'on doit forcément tuer, faire sécher et broyer en poudre. Éthique ou pas, j'en sais rien. Mais elle recycle son eau, voilà, elle est très attentive à l'empreinte, pas carbone, mais en tout cas à l'empreinte écologique qu'elle laisse. Et ça, c'est très bien. Tous les teinturiers ne sont pas sans scrupules. Et il y en a qui, enfin voilà, je pense, j'imagine qu'ils font quand même gaffe à la consommation d'eau, ne serait-ce que même si c'est pas dans un but de faire attention à la planète, c'est déjà dans un but d'économiser. Le fait d'économiser l'eau préserve la planète. Donc finalement, c'est pas mal. Maintenant, oui, la laine acrylique, c'est du plastique. La laine superwash, toutes les laines superwash, elles sont enrobées de plastique. On est d'accord. On est d'accord. Après, j'ai envie de dire, il faudrait s'habiller avec du coton bio, avec que des vêtements bio. Et là, les porte-monnaies ne suivent pas toujours. C'est vrai que c'est des choses qui ont un surcoût, un coût et un surcoût. Et on n'a pas forcément les moyens de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. On n'est pas, il y a personne qui a des loisirs complètement safe. Maintenant, concernant le DP, j'en ai dans mon placard. J'en avais acheté avant de prendre conscience, effectivement, que c'était très polluant. Je n'en achèterai pas d'autres parce que j'ai de quoi faire des DP jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Bon, au moins, j'ai le temps d'être une bonne vieille petite mémé avant d'arriver à la fin, mais j'ai peut-être en stock 6 DP qui ont, oh, peut-être 7 même, qui ont la taille de l'abeille que m'avait offerte, pardon, Magali? Sabine. Sabine. Ça doit être des 30 sur 40. Je crois même que j'en ai encore plus grand. J'ai encore des points de croix made in China, là, les machins avec les trucs imprimés. Je dois en avoir pareil, le même nombre. Donc, j'ai pas un vrai besoin d'en acheter d'autres. En fait, l'idée, c'est pas de ne plus faire de DP. C'est de réfléchir à si j'ai vraiment besoin d'en faire un autre. Pour moi, non, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en faire un autre. Parce que je considère que j'en ai assez pour m'occuper. Si je me pète un bras, je pourrais faire du DP et de la broderie tranquillou. J'ai largement de quoi subvenir à mes besoins en matière de loisirs créatifs. Et je garde la meilleure question pour la fin. Alors, Émilie me demande, je me demandais s'il y avait un sens de circulation dans la ruche entre les abeilles qui entrent avec le pollen et celles qui sortent pour aller le chercher. Alors, Émilie. Non, il n'y a pas de sens de circulation. Les abeilles sont des insectes et vivent en groupe dans un espace clos et assez limité. Mais quand tu m'as posé cette question, mais j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Parce que moi, avec mon imaginaire très fertile, j'ai imaginé comme dans Maya l'abeille. Mince, mon châle se défait, ça me saoule. J'ai imaginé comme dans Maya l'abeille, des petites abeilles avec leurs petits gants. Pas si, si, des stops, des feux rouges. Donc, non, non. Il n'y a pas la police avec des sens giratoires. Toi, tu vas par là. Non, toi, tu vas par là. Attention, halte là. Non, pas du tout. Non, non, les abeilles se tapent dedans, se marchent dessus. Il n'y a pas de sens de circulation dans une rue. Tous les petits panneaux, les petites flèches et tout. En fait, c'est trop mignon, mais non, 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 elle se marche dessus, elle se bouscule. D'ailleurs, on le voit quand, à la sortie de la planche d'envol, ça se tamponne dans tous les sens. D'ailleurs, on voit des petites boulettes de pollen, elles en perdent dans la bataille. Donc, non, non, ça, il n'y a pas de sens de circulation, c'est l'anarchie absolue. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, c'était chouette de répondre à vos questions. C'est toujours sympa parce que moi, ça me permet de chercher vos réponses. Vous me faites souvent rire, j'aime. Même si je réponds pas, là, je suis en retard encore dans les commentaires, hein. Depuis 3 semaines, ça s'accumule. Bah oui, si je réponds pas. Mais vous mettez des longs commentaires, donc il faut que je veux vraiment vous répondre. Je veux pas juste mettre un cœur. Sauf quand ça nécessite pas de réponse. Je mets un cœur, mais s'il y a des réponses à apporter, je veux vraiment le faire, donc je mets vos commentaires en attente pour être sûre de vous répondre. Donc ne vous inquiétez pas et surtout ne vous formalisez pas. Je réponds, même si c'est tard, je préfère répondre tard mais bien que pas répondre du tout. J'espère que vous m'avez suivi.
Sur ce, je vous laisse parce que j'ai encore parlé 20 minutes supplémentaires. Ça me laisse encore beaucoup de travail de montage. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous, maman. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Oh.